achète aujourd'hui l'exposition « Quand les gens se racontent », bientôt présentée à la chapelle des Cudbert et l'hôpital Pierre-Legardeur, lauréat au défi énergie. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 27 mai. On débute tout d'abord par dossier au niveau syndicat patronal. On parle d'une grève du personnel de soutien. Évidemment, on parle du personnel de soutien en milieu scolaire. Le syndicat du personnel de soutien scolaire de La Nausière et le syndicat d'entretien de la commission scolaire des Samars, qui compte ces deux syndicats environ 1800 personnes, donc, ont tenu une grève hier et aujourd'hui. Selon la page Facebook de la CSN, la centrale syndicale, le recours à la grève est lié au refus du gouvernement d'offrir des conditions salariales justes et équitables au personnel de soutien scolaire. Donc, on poursuit avec d'autres informations. Chapelle des Cudbert maintenant. On parle de quelqu'un qui prépare une exposition, Cassandra Reynolds. Cassandra Reynolds est en effet l'artiste en résidence à la chapelle des Cudbert. Les gens sont invités au vernissage de ses œuvres le 1er juin. On parle ici d'une photographe. Nous avons rencontré l'artiste au sujet de son exposition. On l'écoute. Bonjour Cassandra, ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, ça va bien. Dans les derniers jours de ta résidence, peux-tu nous raconter comment tu as vécu ça? Oui, bien là, présentement, j'ai tout organisé l'exposition, j'attends mes impressions, je vais aller les chercher demain. Donc, on est dans les derniers préparatifs pour l'expo. Mais sinon, en gros, quel mois que j'ai vécu à Berthier, rempli de belles rencontres. Puis j'ai eu la chance de vivre tout plein d'émotions, puis de visiter tout plein de lieux différents, passant par l'usine Richard. On m'a fait une petite visite guidée, j'ai pu prendre des photos. Ça m'a vraiment impressionnée parce que de l'extérieur, on n'a aucune idée à quoi peut ressembler l'intérieur. Donc moi, je me sentais comme une petite gamine avec les yeux grands ouverts. C'est surtout que c'est une bâtisse qui est quand même historique aussi. Oui. Tu sais, il y a plein de petits raccoins, comme on pourrait dire. Oui, oui, oui. C'est histoire dans ces bâtisses-là. C'est ça, je pouvais pas passer à côté de l'usine Richard. Ils ont accepté, donc je suis allée. Je suis allée dans une usine, j'ai suivi un apiculteur et j'ai eu mon baptême. j'ai été au cœur des abeilles. Il m'a invité à aller trouver des reines. Donc ça, c'est une expérience que jamais j'oublierai. Comment t'as trouvé l'accueil? Ah, c'est la première vue, tu dis... Je vais te dire le mot qu'on dit souvent ici, que tu es étrange, là, tu sais, dans ouais, ce que tu comprends un petit peu. Quel regard avaient les gens sur toi? Les gens m'ont tout de suite accueilli à bras ouverts, dans le sens super sympathique. Je me sentais pas comme une petite inconnue qui débarquait à Berthier. Non, au contraire, les gens étaient contents de me rencontrer, puis ils étaient émus du temps que je prenais pour les rencontrer. Donc, j'ai vécu plein de belles choses à Berthier. Est-ce que tu penses que la pandémie est pour quelque chose versus cet accueil? Parce que quand tu es arrivé au mois de mai, il commençait à faire beau, chaud. Là, les gens commencent à avoir plus besoin de socialiser, de rencontrer. Ça devait être quand même, comme tu dis, mouvant, parce qu'à un moment donné, c'était peut-être la personne qui n'avait pas vu depuis un nouveau visage depuis quelques mois, quelques semaines, mais ça fait du bien, à un moment donné, raconter sa vie, se parler. Oui, oui, tout à fait. C'est sûr, je suis sûre que la pandémie a eu un impact dans le sens que les gens avaient besoin de s'exprimer, les gens avaient besoin de communiquer, puis je pense que mon projet est arrivé au bon moment, puis avec l'arrivée du beau temps, les gens sont de plus en plus dehors, donc on voit des gens partout, donc c'est facile d'initier une discussion, puis oui. Tu nous parlais des expériences spéciales, tu disais, bon, voilà, Richard, lui, pour l'avoir visité, je sais que c'est assez impressionnant et assez
Tu as parlé d'agriculteur. Y a-t-il d'autres choses qui qui va te marquer? Tu vas, je sais pas, une rencontre que ben, tu vas dire ça, oui, dans mes éphémérides, dans mes souvenirs un jour si je fais une rétrospective de ces rencontres. Oui, ben ça a été, je pense, j'ai eu un coup de cœur pour la famille Champagne, de rencontrer une famille aussi soudée, puis Jean, qui est aveugle dans cette famille-là, qui n'a jamais été mis de côté, me fait part de toutes ses expériences. Une de ses sœurs m'a dit, il faudrait plus que tu demandes à Jean ce qu'il n'a pas fait dans la vie. Puis ça m'a marqué, dans le sens, c'est pour dire qu'il n'y a pas de limite malgré un handicap. Donc, ça a été très touchant comme maman, puis je n'oublierai jamais cette rencontre-là. Donc, les gens, à partir du 1er juin, c'est bien ça, vont avoir accès, on respecte encore, on dit encore, en respectant les règles sanitaires, Marie, si nous l'ont quand même souligné tantôt, qu'il n'y a encore pas la possibilité d'avoir des attroupements, des choses qui sont déconsidérées. Toi, est-ce que tu vas être sur place ici pour présenter tes photos, pour jaser? Donc, même s'il n'y aura pas de vernissage, je vais être présente à la chapelle le 1er juin, toute la journée. Donc, si les gens veulent venir me rencontrer, ça sera l'occasion pour ça, discuter, voir avec les gens. En terminant, je pense que tu as des remerciements à faire, tu as des gens qui te remercient spécifiquement des choses, des organismes, des gens que tu as rencontrés, Oui, donc moi, vu que je ne connaissais pas Berthier, dès mon arrivée, j'ai rencontré une travailleuse de rue, Audrey Brisson, la ferrière, travailleuse de rue. Donc elle m'a tout de suite fait une mise en contexte de Berthierville, des gens qui y habitent, des situations de vie. Donc tout de suite, ça m'a mis en contexte, puis elle m'a référé plusieurs organismes. Puis, j'ai cogné à la porte en toute amitié, l'Envol, le réseau des aidants naturels d'Autré, le groupe populaire des Clics, Richard, et la place jeunesse de Berthier. Puis c'est tous des organismes qui m'ont aidé, qui m'ont référé des participants. Ça a grandement facilité mon arrivée à Berthier, puis j'ai pu commencer mon projet en force. J'ai pas niaisé. Vas-tu s'ennuyer de nous? En terminant, est-ce que tu vas dire « oui, j'ai aimé mon passage, puis un jour, je ferai un autre. » Oui, je pense que ça va me faire drôle de quitter Berthierville, puis de revenir dans mon patelin quand ça fait un mois que je baigne dans le cœur de la place avec les gens. Ça va me faire un petit pincement de quitter, mais en même temps, je me dis, je vais avoir eu la chance de connaître un nouveau coin de pays, puis c'est pas très loin, donc je vais pouvoir revenir faire mon tour. Viens nous voir quand tu veux, viens prendre des photos puis nous présenter. Un autre visage de Berthierville qu'on voit, comme toujours, les gens voient, mais on voit à travers tes yeux, c'est toujours plus, je pense que c'est toujours plus touchant, tu sais, il y a plus de sensibilisation et tout. Je pense que c'est comme partout, les gens ne voient pas la beauté tant que quelqu'un d'autre ne dit pas « regarde, c'est beau ». Oui, en fait, c'est que les gens, à travers le quotidien, on oublie, on ne porte plus la même attention à ce qui nous entoure et aux personnes des fois. Mais d'arriver, comme moi, je veux dire, tout était nouveau, donc c'était un regard totalement frais. J'ai vu une belle beauté à tous les gens de la place. On pourrait dire pas besoin d'aller loin. Non, c'est ça, pas besoin d'aller loin pour voyager. Moi, je voyage juste à travers toutes mes rencontres. C'est pour ça que je veux continuer. Merci. L'exposition « Quand les gens se racontent » sera donc possible de la voir à la Chapelle des Culbert du 1er au 27 juin prochain. On poursuit au niveau artistique. Communiqué de la maison Antoine Lacombe. Cette maison et jardin Antoine Lacombe présente l'animation « Mythes et légendes des plantes » avec Julie Boudreau. L'activité aura lieu le 12 juin à 19h dans les jardins de la maison Antoine Lacombe, à Notre-Dame-des-Prairies. Des histoires, des faits vécus et des choses à savoir sur les plantes qui nous entourent sont au cœur de cette rencontre.
une soirée, presque une veillée de contes, une balade au jardin où la rêverie l'emportera sur l'horticulture pratique. Julie Boudreau est enseignante au Centre de formation horticole de Laval et éditrice de Planète Jardin. Horticultrice diplômée de l'ITA de Saint-Hyacinthe, elle œuvre dans le domaine de l'horticulture depuis plus de 25 ans. Elle a publié une dizaine de livres, dont le guide des jardins à visiter au Québec, les plantes grimpantes et une collection de livres pour enfants. Elle a aussi participé à de nombreuses émissions de télé et de radio. Passionnée par son métier, Julie Boudreau, se consacre à promouvoir le jardinage, le design de jardin, la botanique et l'écologie sous toutes ses formes. La visite dure environ 1h30. En cas de pluie, la visite sera reportée au samedi 19 juin, 19h. Les billets au coût de 15 $ chacun sont disponibles à Maison et Jardin Antoine Lacombe, 450-755-1113, ou en ligne via le site antoinelacombe.com. Allons à la pause. Le restaurant chez Patrice est présentement fermé pour des raisons médicales. Merci à nos chers clients de leur compréhension en espérant vous revoir très bientôt. Mon nom au complet, c'est Christine, ça c'est le prénom, et mon nom de famille, c'est Ninga Nguema. Je suis pas femme de ménage. Donc, j'ai une formation de préposé axée sur la sécurité, c'est-à-dire j'ai fait un accompagnement à quelqu'un qui est en début d'Alzheimer. Je dois savoir, avant d'arriver chez eux, la coordinatrice me donne le feedback. La personne est si. Tu dois faire attention à si. C'est pas sa femme de ménage, c'est plus que femme de ménage. Mais il faut d'abord que tu aimes ce que tu vas faire. Si tu aimes pas ce que tu vas faire, t'as pas de place. Moi, je pense qu'être épousé, c'est comme être avocat, c'est comme être médecin. C'est un métier comme un autre, mais il faut aimer. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Donc, les anniversaires aujourd'hui pour le 27 mai. On y va avec les filles d'Isabelle qui souhaitent bonne fête à Pauline Pelletier. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent aussi un heureux anniversaire à Dany Courchêne. Le Centre d'action bénévole d'Autré souhaite bonne fête à David Desmarais. Donc, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Poursuivons nos informations, cette fois avec un communiqué du CI3S de Lanaudière. On parle de l'hôpital Le Gardeur. Donc, l'hôpital Pierre Le Gardeur du Centre intégré, du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, s'est distingué le 13 mai dernier au défi Énergie en immobilier de BOMA Québec grâce à une réduction de sa consommation d'énergie de 15 % et de ses émissions de gaz à effet de serre, les fameux GES, de 32 % en 2018 et 2020. Il a mérité la première position dans la catégorie Amélioration de la performance énergétique parmi les autres établissements inscrits du réseau de la santé et des services sociaux. Le BOMA est un regroupement de propriétaires et de gestionnaires d'immeubles commerciaux.
Parmi ses objectifs, il vise la réduction de la consommation d'énergie et des GES des bâtiments commerciaux, institutionnels, multi-résidentiels d'un minimum de 10 % en 4 ans par la collaboration, le partage des connaissances, l'éducation et l'innovation. En entreprenant un projet d'amélioration énergétique, le CI3S de Lanaudière souhaitait s'inscrire dans une démarche de développement durable et de respect de l'environnement. Parmi les mesures implantées, notons la récupération de chaleur, l'optimisation des réseaux de chauffage et de refroidissement, la conversion de l'éclairage au DEL, l'amélioration et la modernisation de la ventilation et l'implantation de nouveaux contrôles centralisés. L'ensemble de ces travaux, réalisés en partenariat avec la firme Écosystème à l'hôpital Pierre-Legardeur, au Centre d'hébergement et de réadaptation en déficience physique de l'Assomption, au Centre d'hébergement de Repentigny et au CLSC Lamater de Terrebonne, représentent un investissement de 7 millions de dollars répartis sur près de 7 ans, dont 1,6 million provenant de subventions gouvernementales. Le projet générera bientôt 757 000 $ d'économies annuelles sur les factures d'énergie, lesquelles serviront, serviront à rembourser l'investissement. À terme, la consommation d'énergie sera réduite de 30 % de près de 30 % et les émissions de GES de 68 %, soit l'équivalent de retirer 885 voitures de la circulation. Comme souligné hier, voici la suite de l'entrevue avec Julien. Il nous parle, ce Julien, entre autres, d'un nouveau projet qu'il a à Los Angeles. On l'écoute. On fait du Airbnb et puis on loue en même temps pour des vidéoshoots, des photos, le studio d'enregistrement. Donc, okay. On peut adapter nos studios pour enregistrer également. Donc, c'est un petit concept que j'ai démarré là, durant la pandémie, qu'on est en train de regarder ici également pour pouvoir l'exploiter. Je vous avouerai que c'est un peu plus dur là, aux questions visa et tout, mais on va y arriver, peut-être pas cet été, mais plus vers l'automne. Parfait, parce que ça, c'est à Montréal, si je ne me trompe pas. En ce moment, c'est en plein, dans Vieux-Montréal, okay. Exactement. Parfait, puis tu avais aussi démarré Mock Design. Qui est des j'ai une marque de vêtements depuis. J'ai démarré ça dans le vêtement, j'avais 20 ans. OK. Donc, je crois 29 ans dans deux semaines. Donc, ça fait 9 ans exactement que je fais du vêtement. On fait de l'impression sur demande. Donc, on n'a pas d'inventaire à gérer. On s'arrange pour que nos clients n'aient pas d'inventaire non plus à gérer. Donc, okay. D'offrir un service dropshipping. J'accompagne aussi les gens à partir leur marque, okay. Et puis de les produire également. Donc, je fais ça depuis 9 ans. Je suis allé au Dragon en 2017. Ouais. Et puis, ça a été une très belle expérience, sûrement une des plus belles expériences de ma vie. Très stressant, mais qui m'a apporté plein de choses et qui m'a amené à grandir là, au niveau, surtout entrepreneuriat. J'ai beaucoup évolué depuis ce temps-là. Comme j'ai dit, je me promène avec l'empreinte Made in Québec. Pour moi, c'est important. Je regarde, j'étudie l'industrie depuis pratiquement 15-20 ans. Okay. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Québec. Et puis, j'ai toujours vu le Québec juste focusé sur la France. Et pourtant, je ne comprends pas pourquoi on n'a jamais pensé à plus focusser sur les Américains qui sont nos voisins également. Je comprends que la barrière de langage, mais comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas vu ce problème-là jusqu'à maintenant ici. Au contraire, les gens adorent et ils aiment que je suis français. Ils aiment que ce soit différent. Ils aiment que la musique soit... c'est sûr qu'il faut peut-être de la bonne musique. On ne se le cachera pas. Il faut que la musique soit bonne. Mais c'est vraiment mon idée, c'est de mixer le plus de Québécois possible avec des artistes anglais, latins. Comme mon prochain single sera une chanson avec un verse qui est fait en espagnol. Donc, okay. Je chante avec une fille espagnole.
sur cette chanson-là, qui est une chanteuse écrivaine pour des gros artistes au niveau espagnol. Okay. Donc, j'ai eu la chance de la rencontrer en studio. Je lui ai demandé si elle était intéressée qu'on travaille ensemble et elle m'a dit oui tout de suite. Donc, puis j'ai eu déjà des discussions aussi également avec des artistes africains, des artistes okay. américains. Donc, je pense que c'est possible. Moi-même, je ne suis pas un artiste très connu présentement. Si on compare à des Soulja, des Loud et toutes ces personnes-là. Je veux vraiment pouvoir les mixer avec le plus de gens possible. Puis je pense que tout le monde va être gagnant, autant les États-Unis que Montréal ou Québec va être gagnant là-dedans pour élargir démographiquement parlant l'audience pour le Québec. Parce que c'est vraiment notre problème au Québec, oui. C'est notre audience. Elle est trop restreinte. Et puis, c'est pour ça qu'on n'a pas une bonne plateforme musicale présentement au Québec. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, que ce soit français, anglais, espagnol, multiculturel. On a des bons chiffres, mais on n'a pas d'argent. La business, l'industrie au Québec est très difficile. Donc, j'essaie de comprendre comment les choses fonctionnent ici afin de pouvoir... venir mettre une touche spéciale au Québec. Okay. C'est le plan à porter. Je prends comme exemple, Drake n'était pas connu il y a 10 ans et aujourd'hui a eu un trophée hier justement du meilleur artiste des 10 dernières années. Toronto n'était pas connu comme il est aujourd'hui. Donc je pense qu'on est très proche que le Québec et Montréal soient davantage connus et puis puisse s'expandre à l'international. Je pense qu'on n'est pas loin. Vous dire, c'est juste, on va avoir deux autres projets qui vont sortir cet été, de rester à l'affût et puis d'encourager aussi les nouveaux artistes qui arrivent parce que c'est facile de toujours écouter les plus gros qu'on écoute à la radio parce qu'on se le fait mettre. Mais aussi d'encourager le plus possible. Moi-même, j'encourage le plus possible les artistes autour de moi, qu'ils soient petits ou gros. Je trouve ça très important. Parce que surtout, en pandémie, on a pu découvrir que sans divertissement, c'est un peu plus difficile pour les êtres humains. Effectivement. Donc, c'est très important, la culture, le divertissement pour moi. De rire, de s'amuser, de danser, de chanter, de s'évader quelque temps au travers d'une musique. Je pense que tout le monde vit avec la musique et vit différentes émotions avec leur musique. Tu sais, quand tu es un peu moins heureux, tu vas écouter une chanson. Quand tu es très heureux, tu vas écouter une chanson. Ça fait partie de la vie de tout le monde. Et puis, c'est aussi le pourquoi ça m'a motivé de rembarquer et de m'essayer d'aller jusqu'au bout avec ce projet-là cette année. La division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec demande l'aide du public en vue d'identifier les auteurs d'un braquage à domicile survenu à Sainte-Julienne dans Lanaudière. Dans la nuit du 2 février dernier, 4 individus se sont introduits par effraction dans la résidence de la victime et l'ont agressé violemment, causant des blessures importantes. Les suspects ont dérobé des objets pour ensuite fuir à bord du véhicule de la victime. Ce véhicule-là a été retrouvé incendié à Radon. Toute information pouvant permettre de retracer ces individus peuvent être communiqués confidentiellement à la centrale de l'information criminelle de la SQ au 1-800-659-4264. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin.
On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façon. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconciliée avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Centre hospitalier le Champlain, le Château à Berthierville, le 22 mai, à 83 ans, est décédée Mme Sylvia Barthes, fille de feu Armand Barthes et de feu Rosalie Latour, demeurant à Saint-Ignace. L'ayant précédé ses sœurs et ses frères, Lucille, Réna, Louis-Armand, Léonard, elle laisse dans le deuil son frère, Rosaire Barthes, Denise Grégoire, son filleul Jean-Benoît, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel et les bénévoles du Centre Le Château pour les belles attentions, les excellents soins prodigués à Mme Barthes et le respect dont ils ont fait preuve à son égard. Une cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille à une date ultérieure. Passons maintenant à la météo. Aujourd'hui, 27 mai, belle journée, mais plus fraîche en soirée, en ce jeudi, 11 degrés, donc ces passages nuageux. Cette nuit, c'est généralement dégagé, le ciel se dégage, mais c'est très froid pour la période de l'année, 4 degrés. On ressentira 1 degré à certains endroits dans le nord, il y a risque de gel. Vendredi, en matinée, ensoleillé, passage nuageux, et ça se poursuit, ciel variable, 14 en après-midi, 17 en soirée, 7 en nuit. C'est quand même assez frisquet. Voilà, c'était votre bulletin d'information 27 mai sur les ondes de CTRB. Alain Bellumeur qui vous souhaite bonne fin de journée et qui vous invite demain pour la prochaine édition.